Vaša ekscelencije, dragi gosti, kolegice i kolege, imamo danas dobru priliku i čast i zadovoljstvo da ugostimo njegovu ekscelenciju, gospodina Abdelkadera Mezdoua, ambasadora prijateljske nam države Alžira, države koja ima po našoj proceni dobru budućnost, velik potencijal u svakom pogledu, skoro pet puta je mnogoljudnija, odnosno brojnija po populaciji od Srbije. O Srbiji je preko 30 puta veća po površini ili više od 8 puta veća od bivše Jugoslavije. Da bismo mogli da vidimo koliko je to velika zemlja, koliki su potencijali. Država koja ima stabilnu ekonomiju, dobro uređene odnose, koja ima dobre perspektive u ekonomskom smislu, i po našoj procjeni će biti veoma interesantno da njegova ekscelencija danas s vama izloži viđenje i predstavi svoju zemlju u smislu Alžir juče, danas, sutra. Predavanje će trajati oko 30 minuta. Predviđeno je da imate vremena 15 minuta, postavite pitanje za njegovu ekscelenciju. Želi da uživate, neka bude prijatno. Izvolite, ekscelenciju. Monsieur rektor. Gospodine rektore. Monsieur direktor. Gospodine direktore. Chers amis. Dragi prijatelji. Chers étudiants. Dragi studenti. Et chers invités. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui présent des amis de l'Algérie. I dragi gosti koji imam veliku čast da danas budu među nama, prijatelji Alžira. Il y a quelque temps, quand je suis venu voir cette université, je me suis entretenu avec les responsables de cette université. Prije svega vremena bio sam u posjeti univerzitetu kada sam imao priliku da razgovaram sa upravom fakulteta. L'idée était d'établir des passerelles de coopération entre les étudiants de Serbie et les étudiants d'Algérie. I tada je rođena ideja da se ustanove kanali saradnje između studenata iz Srbije i studenata iz Alžira. Pourquoi établir des passerelles? Parce que nous nous sommes beaucoup connus dans le passé. Algérie et l'ex-Yougoslavie. Zašto kažem kanali? Jer mi se jako dobro znamo iz perioda prošlosti, odnosno Alžir i bivše Jugoslavije. Et je crois que aujourd'hui, après les événements douloureux que les deux pays ont connus, que ce soit l'Algérie ou la Yougoslavie, qui est devenue aujourd'hui la Serbie, je pense que après la période qui est devant nous, les difficiles histoires que les deux pays ont eues, comme l'Algérie, ainsi que la Yougoslavie, ou bien la Serbie. Il est extrêmement important de parler de cette période de l'histoire. Il est important de parler de cette période de l'histoire. De se rappeler ce qu'ont été les relations entre les deux pays. Et je vous parlerai également de certains qui ont fait de cette relation une relation exceptionnelle dans le passé. Ah, također ću vam govoriti o pojedincima koji su napravili da taj odnos bude sasvim poseban. Alors je vous parlerai de l'Algérie hier, aujourd'hui et demain. Dakle, govorit ću vam o Alžiru juče, danas i sutra. Je ferai des sauts sur le plan historique. Imaću određene izlete na historijski plan. Je parlerai de ce qui a été entrepris en Algérie. Govorit ću onome što je do sada preduzeto i učinjeno u Alžiru. Je parlerai également de la relation entre les deux pays, entre la Serbie et l'Algérie. I govorit ću o odnosima između Srbije i Alžira. Je commencerai par tous, l'Algérie aujourd'hui est le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe. Prvo ću vam izložiti geografsku položaj Alžira, koji vi sigurno već i poznajete i znate da je danas Alžir najveća
zemlja Afrike i arapskog sveta. C'est pratiquement 2,381,741 km². Dakle, površina Alžira je 2,381,741 kvadratni kilometar. Carrefour pratiquement au niveau méditerranéen, au niveau africain, au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Dakle, to je jedna raskrsnica između Bliskog istoka, oblasti Sahila. Mais le plus important dans la population, c'est pratiquement 75% de moins de 35 ans. La population algérienne, c'est une population très jeune. Ali ono što je bitno i značajno za stanovništvo Alžira, to je da je to jako mlado stanovništvo, odnosno 75% stanovnika mlađe od 35 godina. Le taux net de scolarisation est pratiquement de 95%. Dakle, stopa uključenosti u obrazovanje je skoro, odnosno više od 95%. Au niveau du système politique, évidemment, c'est un régime républicain. Dakle, što se tiče političkog sistema, reč je o republici. Président de la République a été élu depuis 1999, président Bouteflika. Predsjednik države je gospodin Abdelaziz Bouteflika, koji je izabran 1999. Il est un grand ami de votre pays. I on je veliki prijatelj vaše zemlje. Et qui a beaucoup séjourné dans votre pays à l'occasion de lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. I kada je u periodu kada je bio ministar spoljnih poslova, on je veoma često boravio u vašoj zemlji. Et des personnes qui sont ici le connaissent très bien. Pojedinci koji su ovde među nama ga jako dobro poznaju. Le système parlementaire est un système bicaméral avec un sénat et une assemblée. Parlamentarni sistem je dvodomni, znači sa senatom i skupštinom. Nous allons avoir les élections comme la Serbie au mois de mai et la Serbie ce sera le 6 mai, en Algérie ce sera le 10 mai. I kao i Srbija imaćemo izbore u maja meseca, Srbija 6. i 10. Au niveau de l'Assemblée, il y a 389 députés, dont 31 femmes. Dakle, u sadašnjem sazivu imamo 389 poslanika u parlamentu, od kojih je 31 žena. Donc ce qui peut représenter une sous-représentation féminine au niveau de l'Assemblée. Time bi mogli da zaključimo da postoji nedovoljna participacija žena na nivou skupštine. Des lois sont passées pour permettre à la prochaine assemblée qui va être constitué après les élections législatives, donc du 10 mai. Dakle, među vremenom su izglasani zakoni koji će omogućiti da novi saziv Skupštine, koji će biti oformljen posle izbora 10. maja. 462 députés pour 131 femmes. Il y a pratiquement un problème maintenant, une décision de quota pour avoir une plus grande représentation féminine au niveau de l'Assemblée. Dakle, tim zakonom će se bitno povećati broj reprezentacije žena u parlamentu i među budućih 462 poslanika, 139 će biti žena. I il y a des augmentations de la représentation féminine à partir d'un certain pourcentage au niveau des élections. U zavisnosti od izbornih jedinica, odnosno u tom sistemu,
sistemu izbornom, također se povećava broj žena u odnosu na izborni jedinici. A compter de 5 sièges, on aura 30% de femmes. Dakle, u izbornim jedinicama u kojima ima 5 mesta, bit će 30% žena. I ça va crescendo. I to ide tim uzlaznim tokom. Et donc on aura 139 femmes grâce à, donc, à la volonté, grâce d'abord au travail et aux efforts fournis par les femmes en Algérie, et c'est tout à l'honneur des femmes algériennes qui ont toujours été à l'avant-garde de tous les combats en Algérie. I dakle, na taj način ćemo doći do zastupljenosti, odnosno 139 žena u parlamentu, što je naravno, zahvaljujući svemu onome, pre svega alžirskim ženama, takvim kakvim su, i svemu onome što su one uvek učinile u tokom istorije Alžira. I ova 600 observateur internationaux qui seront présents à ces élections. Na ovim izborima biće prisutno 600 međunarodnih posmatrača. Des représentants des observateurs donc de l'Union européenne qui seront présents. Biće znači zastupljeni posmatrači iz Europske unije. De la Ligue arabe. Arabske lige. Des Nations unies. Ujedinjenih nacija. De l'Organisation de la coopération islamique. Organizacije za islamsku saradnju. De deux grandes fondations américaines ONG, la Fondation Carter et la Fondation NDI. I predstavnici također posmatrači iz dve velike američke fondacije koje su iz nevladinog sektora, to je National Development Institute i Fondacija Carter. Et pour la première fois, l'administration sera complètement absente de la supervision des élections. Ce sera deux commissions qui ont été mise en place, une commission de magistrats et une commission de représentants de partis qui supervisera les élections. I po prvi put će administracija biti isključena iz bilo kog kontrole ovih izbora, jer su imenovane dve komisije, dakle komisija sudija i nadzorna komisija, koja će biti samo tim povodom uključene u kontrolu izbora. C'est dire un petit peu le souci de transparence, le souci d'avoir des élections honnêtes, libres et transparentes et éviter un petit peu toutes les difficultés qui ont découlé un peu partout à travers le monde concernant, notamment au niveau du monde arabe et africain, concernant les élections. I to je samo da bih vam opisao tu brigu koju smo mi imali, da ovi izbori budu potpuno transparentni, potpuno demokratski i da sve one brige koje smo imali priliku da ispratimo u arapskom svetu budu otklonjene. Découpage administratif de l'Algérie, c'est 48 wilaya, 548 daira, 1548. Dakle, administrativna podela velikog Alžira je na 48 departmana koji se nazivaju vilaje, 548 administrativnih jedinica koje se zovu daire i 1541 opština. En termes de ressources et de réserves, vous avez ici un tableau qui indique toutes les richesses et les potentialités économiques algériennes. Na ovom slajdu možete vidjeti sve ono što sačinjava osnovna prirodna bogatstva Alžira. L'Algérie est troisième producteur au niveau africain dans le domaine du pétrole. Kada je reč o nafti, Alžir je treća zemlja Afrike po proizvodnji. Douzième dans le monde, douzième producteur. A 12. Proizvođač u svetu. En matière de gaz, 5e producteur mondial et exportateur de gaz naturel. Što se tiče prirodnog gasa, ona je na 5. mestu kao i proizvođač i izvoznik na svetu. 4e exportateur mondial de gaz naturel liquifié. Znači 4. izvoznik tečnog prirodnog gasa na svetu. 3e exportateur mondial de gaz propane liquifié. Treće mesto kao izvoznik tečnog naftnog gasa na svetu. Il y a du fer, il y a de l'or, il y a des diamants, de l'uranium, du zinc, du phosphate, du plomb. A također posjeduje i druge bitne rude kao što su gvožđe, fosfati, olovo, zlato, dijamanti, uranium i cink. Et c'est probablement à cause de toutes ces richesses que l'Algérie a été à chaque fois la cible d'invasion extérieure. Možda baš upravo zbog tih velikih prirodnih bogatstava je Alžir uvek bio na meti stranih osvajača. Elle a été carrefour de civilisations berbères, romaines, phéniciennes, byzantines, de tous les pays du monde. Les gens sont venus en Algérie et ont essayé un petit peu de vanter le peuple algérien.
Dakle, kao što vidite, ona se nalazi na raskrsnici puteva i civilizacija gde su svaka berberska, rimska, feničanska, vizantijska, otomanska, arapsko-muslimanska i ostale ostavile svoj trag, jer na neki način su želele da pokore, sve su dolazile ovde u želji da pokore tu zemlju. On a gagné peut-être en termes de brassage humain et d'héritage et de culture. Svakako da je doprinos možda ovoga jedna ta bogatstva u mešavini naroda. Mais il y a eu également énormément de problèmes, énormément de guerres, énormément de conflits à cause de ces prétentions de l'extérieur à pouvoir dominer, à dompter le peuple juif. Ali u svakom slučaju, s druge strane, cela ta želja da se pokori alžirska zemlja i narod, doveli su do mnogih ratova, konflikata i borbi. I le dernier décolonisateur a été la France de 1830 à 1962, pendant 132 années de colonisation. Poslednja zemlja koja je pokušala da nas porobi je Francuska, odnosno periodu kolonializma koji je trajao 132 godine od 1830 do 1962. Cette colonisation s'est accompagnée d'énormément de drames. Ovaj period kolonizacije je bio propraćen jako tragičnim periodima. Et il y a eu des insurrections et des révoltes, des mouvements de résistance populaire qui ont été donc durant toute cette période qui ont essayé de résister à la colonisation et de chasser le colonisateur français. I tokom čitavog ovog perioda alžirska istorija je bila svedok pobuna, buna koji su pokušali da se odupru kolonizatorima i da se završi period kolonizacije. Et le plus important des résistants a été l'émir Abdelkader qui a été fondateur de l'État algérien moderne. I među jednim od najvažnijih pokreta otpora, koji na čijem čelu je bio Emir Abdelkader, koji je i osnivač moderne alžirske države. De 1839 à 1847. Taj period njegovog otpora je trajao 1839. Il y a eu les révoltes de Cheikh Mokrani, Ouled Neil, Ouled Sidi Cheikh, Spahi, de 1871. Toute cette période a été une période caractérisée par des révoltes et des insurrections contre la colonisation française. Dakle, čitav ovaj period karakterišu ustanci i pobune, kao što su pobune Šejha Mokranija, Ouled Sidi Šejha, Ouled Naila, Spahije i tako dalje, od 1871. Koje su karakteristične za ceo ovaj period alžirske istorije. Et il y a quelques jours, nous avons célébré le 50e anniversaire le 19 mars de des accords d'Evian qui ont abouti à l'indépendance de l'Algérie. Pre neki dan obeležili smo 10. godišnicu potpisivanja ugovora u Evijanu kojim je okončan rat u Alžiru. Ces accords donc les accords de cessez-le-feu qui ont été signés le 18 mars 62 a été pratiquement donc une étape suite à la révolution algérienne dans le déclenchement a été le 1er novembre 54. 22 personnes ont décidé de conduire une lutte armée contre la colonisation française. Dakle, potpisivanje tih sporazuma u Evijanu, sporazuma o prekidu vatre 18. marta 62. godine, označava završetak rata koji je započeo 1954. godine, kada je 22 ljudi odlučilo da se pobune. La France n'a pas donné l'indépendance, n'a pas accordé l'indépendance à l'Algérie, pour que ce soit très bien connu au niveau de l'histoire. Dakle, ono što je važno znati kao istorijsku činjenicu, to je da Francuska Alžiru nije dala nezavisnost. La France a été chassée de l'Algérie par les résistants algériens. Francuska je najurena iz Alžira od strane alžirskog naroda. Et les accords d'Evian pour que cela soit également su au niveau de la Serbie par les nouvelles générations. I da bi također bilo potpuno jasno publici u Srbiji i mnogim generacijama, ovi sporazumi iz Evijana. La première ville qui a abrité les négociations entre le FLN, le Front de Libération Nationale qui représentait le peuple algérien et l'État français, c'était à Belgrade.
Ono što je bitno možda da zapamtite, to je da je prvi pregovori koji su vođeni između FLN-a i francuskih vlasti su se desili u Beogradu. Belgrada je la première étape des négociations entre la France et l'Algérie. Dakle, prva etapa pregovora između Alžira i Francuske se odigrala u Beogradu. L'indépendance a été donc suite au référendum qui a eu lieu a été proclamée le 5 juillet 62. Avec un bilan extrêmement lourd. Sa bilans tih godina pre prethodne godine bio veoma težak. Il y a eu suite à la guerre d'Algérie 1 500 000 martyrs du côté algérien. Alžirski rat je odneo 1,5 milijuna ljudskih žrtava. Destruction totale du pays. Potpuno je uništena zemlja. État de sous-développement à tous les niveaux. Stanje nerazvijenosti na svim planima. Absence d'infrastructure. Nepostojanje infrastrukture. Absence d'école, absence d'hôpitaux. Nepostojanje bolnica, škola. L'urgence de mettre en place très rapidement les bases d'un état moderne. Zbog čega je bilo neophodno da se što pre pristupi izgradnji moderne države. Très rapidement, donc, les décisions qui ont été prises de mettre un petit peu en place une économie planifiée, l'autogestion comme modèle de gestion socialiste. Dakle, u tom prvom periodu, u narednom, je bilo vrlo bitno da se postave temelje ekonomije, koja je tako bila planska ekonomija socijalističkog tipa. Au niveau de l'industrie, il a été décidé de mettre en place ce qui a été appelé à l'époque l'industrie industrialisante, c'est-à-dire mettre en place une industrie lourde. Dakle, ono što je tada bio koncept, bilo je da se industrija razvija kroz tešku industriju. Récupérer très rapidement, nationaliser les richesses nationales, notamment le pétrole et le gaz. Ono što je bilo takođe važno, to je da se što pre nacionalizuju prirodna bogatstva, to je naftna polja i gaz. Ça a été le cas le 24 février 1974. Ta nacionalizacija se desila 24. februara 1974. Nationalisation de toutes les terres. Nacionalizacija svih obradivih površina. Et le lancement de plusieurs plans de développement quinquennaux pour mettre en place une politique d'équilibre économique nationale. I takođe petogodišnji razvojni planovi koji su isprovođeni. À cause de la guerre, bien sûr, la politique extérieure algérienne s'est imprégnée de ce qui a été. Ce qui a été donc au niveau de la lutte, donc défense des idéaux de la lutte contre toutes les formes de domination extérieure, colonialisme, etc., colonisation, racisme. Donc, međunarodnom planu, kao nastavak svega onoga što je Alžir preživao tokom svog rata i borbe protiv kolonizatora, na međunarodnom planu Alžir se zalagao za sve te iste ideale, a to je borba protiv svih oblika strane dominacije, rasizma, kolonializma i tako dalje. Promotion de la paix et la sécurité internationale. Zalaganje za bezbednost i mir u svetu. Soutien au mouvement de libération et l'Algérie en tant que pays qui a mené la lutte de libération a été pratiquement un déclencheur de la révolution au niveau africain, de tous les États africains pratiquement qui étaient colonisés à l'époque. Podrška svim pokretima, narodno oslobodilačkim pokretima, jer na neki način Alžir je bio prethodnica svih potomnih revolucija u Africi. Promotion des principes de non-alignement que nous avons partagé avec votre pays pendant une assez longue période. Znači, zalaganje za principe nesvrstanosti za koje smo delili sa vašom zemljom toliko mnogo godina. I respekt de l'intégrité territoriale, la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires d'autres. I poštovanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i mešanja u unutrašnje stvari drugih država. C'est ce qui explique que l'Algérie continue de soutenir la Serbie pour le Kosovo. To je time vi možete da se interpretira i pozicija Alžira u odnosu na Kosovo. Et nous en faisons une question de principe. Jer za nas je to stvar principa da se ne može suverenitet mora poštovati. Évidemment, suite un petit peu aux politiques qui ont été mises en place, à partir des années 80, il y a eu quelques déséquilibres qui se sont un petit peu, qui sont apparus. 80. Godina pojavile su se određene gubitak ravnoteže. I il y a eu des révoltes, et les révoltes d'octobre 88.
što je manifestovano kroz jednu pobunu iz oktobra meseca 88. godine. Souvent les peuples n'ont pas besoin que de manger. Nekada narodima nije dovoljno samo da jedu. Donc c'est beau de leur donner un petit peu les conditions matérielles. Lepo je dati im određene materijalne uslove. Mais ils ont besoin également d'autres choses. Ali narodima su potrebne i druge stvari. Ils ont besoin de plus de liberté, ils ont besoin de plus de possibilité de s'exprimer. Treba im više slobode, više mogućnosti da se izraze. Et c'est ce qui explique ce qui s'est passé en octobre 88, lorsque la population algérienne s'est soulevée. I to on može da objasni događaje iz oktobra meseca 88. godine, kada je došlo do pobune alžirskog naroda. Et c'était probablement l'état précurseur du printemps arabe. I to možemo da ocenimo kao jednu prethodnicu potonjeg arapskog proleća. Ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays arabes, nous l'avons vécu en octobre 88. Ono što se danas dešava u mnogim arapskim zemljama, mi smo već doživeli u oktobru 88. Nous sommes passés du multipartisme, znači, d'un parti unique au multipartisme. Znači, tada smo i prešli na višepartijski. On est parti de deux ou trois journaux d'État à une création d'énormément de journaux et de périodiques. Tadašnjih dva, tri državna lista počeli su da se objavljuju desetine dnevnih listova i periodičnih. Passage de l'économie, donc de diriger vers l'économie de marché. Kao i prelaz sa planske na tržišnu privredu. Et puis nous sommes passés d'un parti politique à 100 partis politiques. I takođe prešli smo sa jednopartijskog sistema na stotine. Évidemment, c'était un printemps, mais un printemps qui a été assez mal géré. Dakle, jeste to bilo jedno proleće, ali možda proleće koje nije se najbolje upravljalo. Parce que c'est beau d'avoir la démocratie, mais en même temps, c'est bon d'avoir des règles qui régissent la démocratie, qui réglementent la démocratie pour éviter un petit peu le chaos. Dakle, dobro je imati demokraciju svakako, ali je također neophodno imati i određena pravila koja upravljaju tom demokratijom da bi se izbjegao haos. Et ce qui devait être un petit peu une grande fête, ce qui devait être un petit peu un passage d'une situation vers une autre, a créé d'autres problèmes. I ono što je zapravo trebalo da bude jedan veliki praznik za narod i državu, dakle prelaz iz jednog sistema u drugi, je zapravo proizveo mnoge probleme. Nous avons connu un petit peu ce que le terrorisme, je crois que vous avez tous entendu parler, l'Algérie pendant une bonne période, à partir de 91, a connu une période extrêmement mouvementée, extrêmement heurtée. Kao što ste vi verovatno i upoznati, Alžir je počeo od 1991. godine se suočio sa jednim veoma teškim periodom u kome koji je obeležio terorizam. Au nom d'une religion, on a tué, on a massacré, on a détruit. U ime jedne vere ubijalo se, palilo i uništavalo. On s'est retrouvé avec pratiquement 150 000 morts. Kao ishod takve decenije proizvela je 150.000 najmanje. I 30 milijardi dégâts. I 30 milijardi materijalne štete. En 99, il avait été décidé de revoir les choses. 1999. godine odlučeno je da se stvari ponovo propitaju. I l'élection du président Bouteflika, qui s'est faite autour de trois objectifs, a permis d'entrevoir une évolution un petit peu différente de ce qu'a été l'Algérie. I izbor predsjednika Bouteflike koji je učinjen oko tri cilja je omogućila zapravo dalji razvoj. Il est venu avec trois objectifs. On je došao na vlast sa tri osnovne cilje. Recouvrement de la place de l'Algérie dans la place internationale, parce que pendant les 10 années l'Algérie était absente, empêtrée dans ses problèmes. Pošto je Alžir 10 godina nije bio prisutan na međunarodnoj sceni, on je bavio se svojim problemima, prvi cilj je bio povratak Alžira na međunarodnoj sceni. Relance économique. Privredni oporavak. Mais la relance économique ne peut se faire que s'il y a recouvrement de la stabilité également. Ali ne može da bude privrednog oporavka ukoliko se prvo ne uspostavi stabilnost. Deux lois ont été passées pour permettre le retour à la stabilité, à la paix. Dakle, izglasana su dva zakona koja su prvo omogućavala taj povratak miru i stabilnosti. À travers une politique de réconciliation dans le cadre de ce qu'on a appelé la concorde civile et la charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Dakle, to je ostvareno kroz dva akta o nacionalnom pomirenju, to je akt o građanskoj slozi iz 99. i povelje za mir i nacionalnom pomirenju. Ces deux ont été approuvés largement par le peuple algérien, ces deux lois, ces deux... Algérien narod je se u ogromnoj većini na referendumu izglasao ova dva akta. Et nous sommes décidés d'aller un petit peu vers l'amélioration des conditions économiques à travers le lancement d'un certain nombre de plans de développement. Et odlučili smo da posle toga možemo da krenemo napred kroz određene planove ekonomskog oporavka i razvoja. En 2001, nous avons lancé le premier plan de relance économique. 2001. Godine smo izbacili prvi naš plan. Vous avez un petit peu l'agencement de ce plan, comment il a été articulé. Možete iz ovoga da vidite otprilike koje su okosnice bile ovog plana. Je ne vais pas m'étaler sur les détails. Neću da se zadržavam na detaljima. Vous avez un petit peu cette cette figure qui vous permet également de voir un peu mieux la répartition au niveau des différents secteurs. Možete da na osnovu ove slike vidite bolje možda kako je između određenih ova četiri sektora su sredstva bila podeljena. Et en 2007, nous avons lancé un deuxième plan, le plan de croissance économique. 2005. Godine je napravljen i započeta realizacija sljedećeg plana, plana ekonomskog oporavka. Au départ, ce plan était doté de 60 milijardi, puis il a été porté à 155 milijardi dolara. Prvobitno je bilo predviđeno 60 milijardi dolara američkih za realizaciju ovog plana, ali kasnije ta cifra podignuta na 155 milijardi. Le plus important de ces plans, c'est que 50% de ces plans sont destinés au développement humain. Ono što je možda bitno da se spomene da su od ova plana 50% sredstava bilo namenjeno za ono što se zove ljudski razvoj. Vous avez un peu plus de détails au niveau de la répartition de ce plan et à travers la construction d'un million de logements, de 17 hôpitaux. Detalje o načinu trošenja ovih sredstava predviđenih u okviru tog plana možete vidjeti na ovoj tabeli. Reč je o izgradnju milion stanova, 17 bolnica. Realizacija d'une autoroute de pratiquement 1213 km. Izgradnja autoputa koja skoro ima 1213 km. La mise en place de tramway dans trois villes au départ. Uspostavljanje tramvajskog prevoza početno u tri grada. Et le métro qui était une chimère en Algérie est opérationnel depuis le 1er novembre. A ono što je metro koji je dugo bio snevan san u Alžiru, sada od 1. novembra 2011. radi. Au niveau des communes, chaque commune devait être dotée d'une bibliothèque. Što se tiče opštine, svaka opština je dobila po jednu biblioteku. La réalisation également de barrages. Također izgrađene su i brane. La plupart des villes algériennes ne buvaient pas leur soif. Većina alžirskih gradova nije mogla da zapravo utoli žeć. Certaines villes même prenaient de l'eau de mer qu'ils considéraient comme étant de l'eau saumâtre qu'ils considéraient comme étant une eau douce sans problème. Čak ima i mesta koje su zapravo koristile morsku vodu, smatrajući da je to jedina i da je to prava voda. Les gens ont même perdu le goût de l'eau. Ljudi su čak izgubili i čulo ukusa za vodu. Et nous avons décidé de réaliser au niveau du Sahara, qui est une étendue énorme. I također smo odlučili da u Sahari, koju znate da je jedan jako veliki prostor, un transfert d'eau sur 700 km. Da napravimo sistem za prenos vode dug 700 km. Je suis heureux d'avoir au niveau de cette assistance quelqu'un qui connaît les barrages, notre ami d'Hydro Technica qui est là. Drago mi je što ovde vidim u auditorijumu nekog ko se dobro poznaje u branju, tu je naš prijatelj iz Hydro Technica. Et je crois qu'il est le plus à même de parler un petit peu de ce qui a été réalisé au niveau de l'hydraulique en Algérie. I možda bi on bolje umeo da kaže detalje o onome što je u Alžiru izgrađeno po pitanju u ovom domenu. Donc j'ai évoqué le premier plan de relance qui était de 7 milijardi. Govorio sam dakle o prvom planu koji je bio vrednosti
7 milijardi. Le plan de croissance qui était de 155 milijardi. Drugi plan razvoja koji je bio u visini od 155 milijardi. Et en 2010, on a décidé de lancer un autre plan quinquennal 2010-2014 de 286 milijardi dolara. A 2010. Godine je napravljen novi plan, novi petogodišnji plan, znači za period od 2010. do 2014. koji je bio vredan 286 milijardi dolara. Voilà un petit peu le détail de ce dernier plan de 286 milliards. Nous avons pratiquement 80 stades qui vont être réalisés en Algérie, pour vous donner une idée un petit peu par rapport au développement humain. Da bi vam dao samo ideju o onome što sam rekao da se ulaže skoro 50% u ljudski razvoj, to je da će biti izgrađeno oko 80 stadija. 2 millions de logements pour ce projet. 2 millions de stanova. D'ailleurs, nous avons l'argent, mais nous n'avons pas les moyens de les réaliser. C'est ça le drame en Algérie aujourd'hui. Današnja drama u Alžiru je to da mi imamo sredstva i novac, ali nemamo načine i sredstava da ih realizujemo. C'est une très grande compétition au niveau du marché national. I na tržištu, domaćem tržištu je velika konkurencija. Il y a aujourd'hui énormément de sociétés chinoises, américaines, allemandes, françaises, italiennes, portugaises, espagnoles qui sont dans le pays. Et danas u Alžiru radi veliki broj kineskih, američkih, italijanskih, španskih, francuskih i preduzeća kao i preduzeća iz drugih zemalja. Mais nos amis serbes sont en train de commencer à grignoter un petit peu et je suis heureux de constater. A naši prijatelji iz Srbije su počeli malo da grickaju i tog tržišta i veoma sam srećan što to mogu da konstatujem. Bien sûr, pas comme on l'aurait aimé. Naravno, to nije u onoj meri koju bi mi želeli. Mais ça commence, je suis heureux de constater ça. Ali srećan sam što mogu da konstatujem da je počelo da se gricka to tržište. Je passe un petit peu au niveau des infrastructures de base. Prelazim sada brzo na baznu infrastrukturu. Voilà un petit peu l'Algérie aujourd'hui. Evo slika onoga što se dešava i što je slika Alžira danas. 135.000 km, 2600 km d'autoroute, 35 aeroport. Znači 135.000 km puteva, od čega 2600 autoputeva, 35 aerodroma. 44, 4500 km de transport ferroviaire. 40 luka, 4500 km železnica. Et ce qui est étonnant, c'est le seul pays qui continue à connaître des hausses en matière d'acquisition de véhicules. I ono što je možda interesantno, to je da je Alžir dalje možda jedina zemlja koja beleži rast kupovine vozila. Alors qu'on a enregistré au niveau de l'Union européenne en 2011 une baisse, une tendance à la baisse pour l'acquisition de véhicules, l'achat de véhicules. Dok se u Evropi beleži 2011. ozbiljan trend pada. En Algérie, c'est l'augmentation, c'est 35% pratiquement. A u Alžiru se beleži potpuno supredan trend, odnosno trend rasta od nekih 35%. 394 000 véhicules ont été achetés en Algérie l'année dernière, neuf. Dakle, samo da vam napomenem da je 394.000 novih vozila kupljeno 2011. En matière de télécommunication, vous avez également une idée. Aujourd'hui, pour vous donner uniquement une petite référence en termes de téléphonie mobile, da vam sada u domenu komunikacija, da ću vam samo jednu malu referencu što se tiče mobilne telefonije. En 2003, nous avions 1 million 440 000 47 300 10 unités. En 2011, nous avons 35 millions 200 000 téléphones mobiles. 2011, 35 millions 200 000 numéros. 2011, 35 millions 200 000 téléphones mobiles. 35 millions 200 000 numéros. Ça soit une grosse. Pour une population de 36 millions. Imagina broj stanovnika koji je, rekli smo, 36 miliona. Il y a 40 quotidiens, ima, en termes de médias. Što se tiče medija, imamo 40 dnevnih listova. Il y a un tirage quotidien de 1 600 000 exemplaires. Sa tiražom od 1 600 000 primjera. Certains journaux tirent jusqu'à pratiquement 200 000, 300 000 exemplaires par jour. Pojedini od tih dnevnih listova imaju tiraž od 200 do 300 hiljada dnevno. En matière d'énergie, 95% de
territoire est électrifié. Alors, je dis que c'est l'électro-énergie du système, et 95% du territoire d'Algérie est couvert par l'électricité du réseau. Pratiquement, nous avons un taux comparable de pays de l'OCDE. Ci mesmo zaprovina nivo zemalja OECD. Raccordement de gaz naturel 45%. Priključci na prirodni gaz 45%. Nous passons donc, voilà un petit peu une configuration de ce qui a été réalisé, de ce qui a été, 500 milliards ont été injectés. Dakle, ovo je jedan prikaz da vidite koliko je bilo do sada uloženo u razvoj Alžira, to je oko 500 milijardi. I c'est un argent propre à l'Algérie, nous n'avons pas fait d'emprunt, nous n'avons pas demandé aux banques internationales, aux autres pays de nous accorder des prêts. C'est de l'argent algérien qui existe au niveau du trésor algérien. Ono što je važno znati, to je da je to alžirski novac, to nije novac koji je iz kredita, mi nismo tražili od drugih zemalja financijskih institucija pozajmice, dakle to je novac koji postoji u alžirskim trezorima. La dette extérieure de l'Algérie de 400 milijuna de dolara. Spoljni dug Alžira je 450 milijuna dolara. To je praktično 0,28% du PIB. To je 0,25% BDP-a. Et ça également c'est grâce à la politique verveillante du président lorsqu'il a décidé de rembourser par anticipation la dette qui était de 31 milliards en 99. I to je malo zahvaljujući dobrim predviđenjima predsjednika koji se odlučio da se odmah kreće sa vraćanjem spoljnjeg duga. Contre l'avis de ses conseillers économiques, ils lui ont dit qu'il ne faut jamais rembourser par anticipation. Et to je on učinio suprotno svojim ekonomskim savjetnicima koji su se zalagali za to da se ne treba vraćati unapred. Il a maintenu cette décision, il a négocié avec le club de Paris, il a négocié avec le club de Londres et on a négocié avec les pays occidentaux pour rembourser à l'avance les dettes qu'on avait contracté auprès de ces pays. Međutim, on je ostao dosledan svoje odluci i nakon pregovora sa Parijskim klubom, sa Rimskim klubom i drugim zapadnim zemljama od kojih su pozajmljen novac, napravljena je šema povraćaja tih dugova pre roka. Nous exportons l'équivalent de 58 milijardi pratiquement de dolara en 2010, pour vous donner ce chiffre uniquement. Samo da vam kao ilustrujem, naš izvoj je 57,2 milijarde dolara iz 2010. godine. I nous avons importé 40 milijarde. A uvoz nam je bio u vrednosti od 40 milijarde dolara. Évidemment, le taux de croissance de 3,3% c'était en 2010, mais à cause de la crise mondiale, la crise financière, ça a été revu à la baisse pour devenir à peu près l'équivalent de 1,9%. Naravno, ovaj rast BDP-a, on je bio projektovan kao 3,3%, ali zbog opšte svetske ekonomske krize, sada on iznosi oko 1,9%. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu de ce qui s'est passé au niveau du monde arabe, le printemps arabe, etc. Malo pre sam vam pominjao sve one događaje koje se tiču arapskih zemalja, arapskog proleća. Évidemment, donc, tout ce qui s'est passé dans le monde arabe a eu quand même son influence au niveau algérien. I naravno, ipak sve ono što se dešavalo u našem okruženju i arapskim zemljama je na neki način uticalo i na Alžir. Il y a eu donc des propositions qui ont été faites par le président le 15 avril 2011. I posljedica toga, predsjednik je učinio određene predloge 11. aprila 2011. godine. Et dans le cadre de la consolidation de l'état de droit et de l'approfondissement de la démocratie, il a été décidé de mettre en place un certain nombre de lois qui ont été pratiquement toutes adoptées par le Parlement actuel, qui devrait être faire l'objet d'élections législatives le 10 mai 2012, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. I u cilju učvršćivanja vladavine prava i produbljivanja demokratije učinjeno je više predloga zakona koji su zatim bili i usvojeni i koji će se naravno primeniti i primenjuju neki od njih već primenjuju, a neki primeniti posle izbora 10. maja 2012. Donc loi sur les partis politiques, loi sur la loi électorale, le renforcement de la représentation féminine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Dakle, to su izmene zakona o političkim strankama, novi izborni zakon, malo kao što sam malo pregovorio o reprezentaciji žena u parlamentu. L'ouverture du champ audiovisuel et surtout la décision de dépénaliser tout délit de presse. C'est un cas unique dans le monde arabe.
Ono što je važno, to je isto otvaranje audiovizualnog prostora, ali možda kao jedinstven slučaj u arapskom svetu, to je da se ukine kazna na delikt štampane reči. Mais il a été décidé de ne pas toucher à la Constitution et ce sera donc la nouvelle assemblée qui sera issue des élections du 10 mai 2012 de revoir la Constitution actuelle. Ali odlučeno također da se za sada ne rade izmene ustava, već da taj posao bude prepušten novom sazivu parlamenta. Si les nouveaux parlementaires sont d'accord avec celle qui existe, c'est tant mieux. Ukoliko novi deputati budu saglasni sa ustavom koji je sada na snazi, tim bolje. S'ils ne sont pas d'accord, donc ils n'ont qu'à revoir et à adopter une nouvelle constitution. Ukoliko se sa njim ne slažu ili žele neke izmene, na njima je da ih predlože i da se onda napravi i novu ustavu. Au niveau politique, une grande ouverture. Što se znači na ekonomskom planu, et au niveau économique, la consolidation un petit peu de l'effort de développement national. A na ekonomskom, konsolidacija svih onih poslova koji su do sada urađeni. Améliorer un petit peu le climat des affaires. Dakle, ulaganje i dalje nacionalni razvoj, stalno poboljšanje poslova. De lutte contre le chômage et l'emploi des jeunes. I ono što je jako važno, to je osnaživanje programa za borbu protiv nezaposlenosti i programa za zapošljavanje. Malgré tous les efforts, nous accusons quand même plus de 10% pratiquement de taux de chômage, et c'est énorme. Dakle, uprkos svim naporima i dobrim rezultatima, mi dalje imamo 10% nezaposlenih, što je u alžirskim uslovima ogromno. Alors, nous avons mis en place un certain nombre de politiques pour lutter contre le chômage. Pošto je to jedna važna tema, mi smo doneli više politika da bi se borili protiv nezaposlenosti. Et il suffit qu'un jeune se présente avec un projet plus ou moins bien élaboré pour bénéficier d'un crédit bancaire. I dovoljno je da se mlad čovek koji napravi jedan projekat koliko toliko prihvatljiv i dobar, da on može, taj mladi čovek može da dobije bankarski kredit. Je passe rapidement un petit peu sur ça et j'aborderai un petit peu comment ça se passe la formation universitaire en Algérie. Dakle, prošet ću kroz ovo, ovo su bile samo neke osnovne naznake, a sad ću govoriti opet veoma kratko o visokoškolskom obrazovanju i studiranju u Alžiru. Nous avons, c'est gratuit l'enseignement en Algérie, au niveau de tous les paliers. Dakle, na svim nivoima obrazovanja, školanje je u Alžiru besplatno. Primaire, moyen, secondaire et universitaire. Bilo da je reč o osnovnom, srednjem, visokom i stručnom osposobljavanju. Il n'existe pas d'université privée comme la vôtre. Ne postoje privatni univerziteti kao što je vaš univerzitet. Nous disposons de 84 établissements universitaires. Ali imamo 84 univerziteta. Et les étudiants bénéficient de la gratuité au niveau de tous les services universitaires. Sve usluge na nivou univerziteta su takođe besplatne za studente. En plus de la gratuité pour l'inscription pédagogique. Ne samo što je besplatno upisnine i školovanje. Tous les étudiants bénéficient d'une bourse pécuniaire, de l'argent. Svi studenti primaju i jedan stipendiju. La restauration est pratiquement gratuite. Le prix d'un repas algérien est l'équivalent un petit peu de 1,24 dinars serbes. Dakle, ishrana je skoro besplatna jer jedan obrok u studentskim restoranima košta ekvivalent od dinar i 24 pare srpski. Le transport universitaire est gratuit pour tous les étudiants. Monsieur le recteur me pardonnera cette intrusion au niveau universitaire. Monsieur le recteur, je vais vous prostituer pour ces navettes qui se tiennent à l'université. Et la gratuité de l'enseignement que nous avons. Ali, to što je školstvo besplatno n'a pas permis d'avoir la référence de nos universités dans le guide de l'excellence de Cambridge. Nije nam omogućilo da budemo navedeni kao referentna ustanova u publikaciji Cambridge. Votre université figure au niveau du guide de l'excellence. A vaš univerzitet se nalazi u toj publikaciji kao referentna.
Nos universités ne figurent malheureusement pas. Что, нажалост, не случится наши. Peut-être qu'avec la coopération que nous allons établir avec votre prestigieuse université. Možda će se raditi, koji ćemo uspostaviti sa vašim prestižnim univerzitetom. Ce sera le cas dans le futur. Možda će to biti. Inshallah. Bože zdravlje u budućnosti. Je terminerai pour vous dire que l'hébergement est également gratuit. Tout étudiant a droit à une chambre au niveau des cités universitaires s'il habite à plus de 50 km de l'université. Također je smeštaj besplatan i svaki student koji živi na razdaljini veći od 50 km od univerzitetskog centra ima svoju sobu u studentskom domu. Pratiquement, nous avons 50% des étudiants qui algériens qui pratiquement sont de 1 300 000. Dakle, imamo skoro 1 300 000 studenata qui sont hébergés au niveau des cités universitaires. Koji žive u univerzitetskim studentskim domovima. Cette année nous avons accueilli 2011-2012 dans l'universitaire nous avons accueilli l'équivalent de 238 000 nouveaux étudiants. Ove godine pri upisu upisali smo skoro 238 000 novih studenata. Bien sûr, donc j'ai parlé tout à l'heure de la possibilité de coopération, nous sommes en train de voir grâce également à vos responsables les possibilités de coopération qui peuvent exister avec les universités algériennes. Malo prije sam pominjao univerzitetsku saradnju i mi smo sada sa upravom fakulteta Singidunum razgovarali o tim modalitetima. Nous sommes réunis le mois de février avec nos amis serbes à Alger au titre de la commission mixte de la 19e session. Sa našim srpskim prijateljima sreli smo se u okviru sastanka zasedanja mešovite komisije februara meseca u Alžiru. Nous avons ouvert des pistes de coopération à travers l'échange de professeurs, l'organisation de conférences thématiques. I razmišljali smo o modalitetima. Tima saradnje koje smo otvorili u sljedećim domenima kroz razmjenu nastavnika, différents colloques, la présentation de projets conjoints, organizacije tematskih skupova, učešće na seminarima i zajedničko istupanje, rad u okviru projekata. Et nous essaierons peut-être à l'avenir également de signer des accords de jumelage entre les universités. O budućnosti ćemo vidjeti mogućnosti, razmotriti mogućnosti da se potpišu ugovori o bratimljenju fakulteta. J'aborderai également donc un autre petit thème par rapport à... Je sais que les Serbes, ce sont de grands voyageurs. Sad ću govoriti ukratko još o jednoj temi koja može da bude od interesovanja. Znam da su Srbi veliki putnici. Il y a énormément de potentialités touristiques dans ce pays. I u Srbiji ima jako puno turističkih potencijala. Et donc, je voulais peut-être évoquer un petit peu le tourisme en Algérie. A voleo bih zato da se dotaknem turizma u Alžiru. Grand pays, Algérie. Algérie je velika zemlja. Énorme. Ogromna zemlja. Avec un désert, l'un des plus grands déserts du monde. Sa najvećom pustinjom, možda najvećim u svetu. Avec des stations thermales. Sa banjama. 1200 km de mer. 1200 km plaža. Des plages à l'état vierge, pratiquement. Koje su netaknute. Et malheureusement, le tourisme n'est pas aussi développé que celui qui existe dans d'autres pays. Ali turizam, uprkos ovim odličnim potencijalima, nije razvijen u onoj meri koji je on razvijen u drugim zemljima. Ce n'est pas lié à au manque de potentialité du tourisme. Što se ne treba povezivati sa pomanjkanjem potencijala. Mais parce qu'il existe déjà de l'argent, du gaz, les ressources existent en Algérie. Već pre sa činjenicom da Alžir već poseduje velike resurse i da novac postoji. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics n'ont pas pensé qu'il fallait développer le tourisme pour avoir plus de capitaux de l'extérieur. I verovatno iz tog razloga vlasti nisu se opredelile za turizam kao način da dohoduju zemlje. Nous avons pris conscience qu'il faut développer également le tourisme et nous avons ambitionné donc de lancer un programme dans ce domaine. Međutim, shvatili smo da treba razvijati turizam i zato smo napravili jedan program. Et nous nous projetons d'accueillir à peu près 2 500 000 touristes en 2015. I realizacijom tog programa očekujemo da ćemo 2015. godine privlačiti 2,5 miliona turista. Nous avons
consacré une enveloppe de pratiquement 670 millions de dollars pour la réhabilitation et la modernisation du parc hôtelier. Da bi to bilo moguće, naravno, opredelili smo 670 miliona dolara u renoviranju i modernizaciju hotelskih kapaciteta. A također da izgradimo 500 novih hotela od sada do 2014. Svi veliki hotelski lanci imaju svoje hotele u Alžiru. I j'espère que les Serbes iront visiter ce pays pour constater eux-mêmes les richesses touristiques de la Gironde. I nadam se da će srpski turisti odlaziti da posete Alžir i da se na licu mesta uvere u njegove bogatstva i potencijale. Et de découvrir au-delà de ce qui nous a lié également en tant qu'Algérie et Serbie. I da otkriju takođe kao nešto što nas je povezalo kao Srbiju i Alžir. Ces deux valeurs que sont l'hospitalité et la générosité qui n'existent pas partout dans le monde, qui existent ici en Serbie, qui existent en Algérie. A to su dve osobine, kao što su velikodušnost i topli prijem, koje ne postoje svuda u svetu, ali postoje u Alžiru i Srbiji. J'en arrive à l'Algérie, à la Serbie, puisque je parlais de générosité et je parlais d'hospitalité. Pošto sam govorio o velikodušnosti i dobrodošlici, evo stižem i do alžirsko-srpskih odnosa. Et comme je le disais, il y a un moment, on s'est beaucoup aimé dans le passé. I kao što sam govorio malo pre, jako smo se mnogo i toplo voleli u prošlosti. On s'est réellement aimé, c'était un amour profond qui nous a partagé Algérie et Serbie et Jugoslavie. I dakle, zaista smo se voleli, to je jedna reč koja nas je duboko vezivala, Alžirce i Srbe. L'ex-Jugoslavie a été le premier pays à reconnaître le GPRA, le gouvernement provisoire de la Révolution algérienne. Bivša Jugoslavija je bila prva država Evrope koja je priznala privremenu vladu Alžira. I a dénoncé les essais nucléaires entrepris en Algérie en 61 par la France. A takođe je bila jedna od prvih koja je oštro osudila nuklearne probe koje je Francuska vršila u Alžiru. Et vous savez qu'à cause de ça, la France a rompu ses relations diplomatiques avec la Jugoslavie à l'époque. I verovatno ste upoznati takođe s tim da je iz tog razloga Francuska obustavila svoje diplomatske odnose sa Jugoslavijom u to vreme. Votre pays a énormément aidé la révolution algérienne. Vaša zemlja je jako puno pomogla Alžirskoj revoluciji. Vous savez que le photographe et le caméraman de la révolution algérienne est un Serbe, un Jugoslave. Ne znam da li ste upoznati, ali zvanični fotograf Alžirske revolucije i kamerman bili su iz Jugoslavije. I to je neko ko je danas ovde među nama. I je voudrais que la nouvelle génération. Stevan Avudovic et le photographe de la révolution algérienne, nous sommes fiers d'avoir Stevan Avudovic. Vous pouvez le considérer comme Yougoslave, mais pour nous, il est algérien également. Stevan Avudovic est zvanični photographe algérien de la révolution. Nous sommes jako ponosni što imamo Stevana Avudovića. Možda je on za vas Srbin, Jugosloven, ali on je za nas Alžirac. Il est toujours présent pendant les festivités algériennes. Il est toujours invité et on ne peut pas l'oublier. Mi ne možemo da ga zaboravimo i on je uvek prisutan na svim obeležavanjima važnim za Alžir. Mi ne možemo da ga zaboravimo. Je vais vous raconter une petite anecdote puisque j'y suis. I sad ću vam samo ispričati jednu malu anekdotu. Lorsqu'il est rentré d'Algérie, kada se vratio iz Alžira, il était au niveau du front, il était avec les combattants algériens. Jer on nije sedeo u gradu, on je bio u partizanima i bio je sa borcima alžirskim. On a su qu'il avait des difficultés, disons des petites difficultés qui n'étaient pas dans une très grande maison. I saznali smo da ima neke određene probleme koje se tiču stanovanja. Le président algérien l'a su. Alžirski predsednik je o tome nekako to saznao. Il a envoyé l'ancien ministre des Affaires étrangères qui est aujourd'hui président de la République algérienne, président Bouteflika. I poslao je tadašnjeg ministra spoljnih poslova, a današnjeg predsednika Alžira, gospodina Bouteflika. Et il lui a dit, cherchez la plus belle villa à Belgrade, l'Algérie vous l'achète. I sa nalogom, nađite najlepšu kuću, vilu u Beogradu, Alžir vam je kupuje. Et elle vous l'offre. I ona vam ga Vous savez quelle a été sa réponse?
Znate koji je bio njegov odgovor? Il a refusé. On je to odbio. Vous savez ce qu'il a demandé? Vous savez ce qu'il a demandé? Il a demandé à être un Algérien parmi les Algériens. Nous avons également ici présent Popovic, qui est également un grand ami de l'Algérie. Qui a beaucoup fait pour la révolution algérienne. Nous avons également énormément de professeurs qui ont soigné les blessés algériens. Il y a un grand nombre de professeurs de médecine qui ont soigné les algériens. J'ai une pensée tout émue pour le professeur Branko Radulovic qui est actuellement souffrant. Et j'ai une pensée particulière pour le professeur Radulovic qui est actuellement souffrant. Je prie Dieu de lui donner tout le soutien et toute la force pour pouvoir rester parmi avec nous. I upućujem želji, molim Boga, da mu da snage da izađe iz te zdravstvene krize. Votre pays également a beaucoup aidé l'Algérie à travers la formation d'étudiants. Vaša zemlja također mnogo pomogla Alžiru kroz školovanje mladih. Qui ne sont malheureusement jamais retournés en Algérie. Koji naravno se nikada posle više nisu vratili u Alžiru. Ils ont aimé dessert. Zavolili su se. Ils se sont mariés à dessert. I oženili se i ljudi. J'en ai quelques-uns aujourd'hui qui sont là. I ima njih nekolicine i danas među nama. Ils ne sont pas revenus. Dakle, došli su da studiraju i nikada više nisu vratili. Mais ils constituent un petit peu la dimension humaine de cette relation. Ali ovi ljudi u svakom slučaju daju to neko ljudsko lice našim. Je crois que c'est l'élément le plus important, c'est la dimension humaine de la relation qui puisse exister entre deux pays. A ono što ja smatram izuzetno važnim, ako možda ne i najvažnijim, to je upravo to ljudsko lice koje može postojati između. Je voudrais également avoir une petite pensée pour Maya Plavzic, qui a été, au niveau de la Croix-Rouge, un élément extrêmement important pour la consolidation de la relation entre l'Algérie et votre pays. Htio bih također da se prisjetimo danas i gospođe Maje Plavšić iz Crvenog krsta Jugoslavije, koja je bila neko koji je jako bio značajan za odnose između Srbije i Alžira. Merci encore une fois pour toute l'aide qui a été apportée à l'Algérie. Hvala vam još jedanput za svu pomoć koju je data Alžiru. On s'est aimé, on s'est perdu de vue à partir des années 90, malheureusement. Voleli smo se, a malo smo se onda izgubili iz vidokruga 90-ih godina. Les relations commerciales entre l'Algérie et l'ex-Yougoslavie à la fin des années 80, c'est-à-dire début 90, c'était de 500 millions de dollars. Trgovinski bilans između Alžire i Srbije krajem 80-ih godine bio 500 miliona dolara. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 20 millions. Danas je jedva nešto 20 miliona. Mais nous avons, depuis 3 années, nous avons repris. Ali od pre 3 godine ponovo smo stvari uzeli u svoje. Je suis heureux d'avoir au niveau algérien des entreprises algériennes qui sont là, qui sont beaucoup appréciées. I veoma mi je drago kao žive za konstatujem prisustvo srpskih firmi. Et je salue toutes ces personnes qui aujourd'hui sont présentes parmi nous, les représentants donc d'Hydrotechnica, notamment qui est là. Danas među nama su također predstavnici nekih od tih preduzeća kao gospodin iz Hidrotehnike. Nous avons Energo Project également qui sont présents en Algérie, Hemofarm, Galanika, Putivi. Među ostalim srpskim preduzećima koji radi u Alžiru su Hemofarm, Putivi, Užice, Energo Project i ostali. Nous avons décidé de célébrer le 50e anniversaire cette année. I odlučili smo da ove godine obeležimo i 50. godišnicu diplomatskih odnosa. Relation diplomatique entre l'Algérie et la Serbie. Od dana uspostavljanja diplomatskih odnosa između Alžira i bivše Jugoslavije. Je suis extrêmement optimiste pour l'avenir. Veoma sam veliki optimista za budućnost. Je suis optimiste pour l'avenir de la Serbie. Također sam veliki optimista kada je budućnost. Pour les relations bilatérales entre l'Algérie et la Serbie. Za bilateralne odnose između Alžira i Srbije. Je vous ai parlé de mon pays, je vous ai parlé un petit peu de son passé qui a été douloureux. Govorio sam vam o moje zemlji, govorio sam o njegovoj prošlosti koja je bila dosta bolna. Je vous ai parlé également de son présent qui est un petit peu difficile malgré des aises financières. Govorio sam vam o sadašnjosti moje zemlje koji uprkos dobrim financijskim pretpostavkama takođe ima poteškoće. Mais comme la Serbie, lorsque nous avons donc une force juvénile comme la vôtre,
Il existe en Algérie, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Ali sve dok imamo mlade, kao što ste vi ovdje prisutni, mladi, sve je moguće. Malgré une démographie galopante, znači, uprkos poteškoćama, uprkos malgré les attentes de la jeunesse, demografskoj eksploziji i velikim očekivanjem mlade žene, malgré le retard qui a été pris, i zaostajanje koje su posljedica prošlosti, lorsqu'il y a la volonté d'aller de l'avant, ali kada postoji volja da se rien ne peut résister à l'effort humain. Ništa ne može da odoli ljudskom trudu. Monsieur le recteur, je voulais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de parler de mon pays. Gospodine rektore, želeo bih da vam zahvalim na mogućnosti koju ste mi dali da govorim o svojoj zemlji. Et de parler de l'Algérie et de la Serbie. Da govorim o Alžiru i Srbiji. Considérez-moi comme étant quelqu'un de membre de votre université. Možete me zapravo smatrati kao nekoga koji je sada član vašeg univerziteta. Je suis heureux d'être au niveau de cette prestigieuse université. Veoma sam srećen što sam dobio priliku da budem ovako prestižno. Je suis heureux de voir que vous avez quand même une présence estudiantine extrêmement brillante, même bien avant même le débat. Mogu također da konstatujem da je ovdje prisutno jako puno studenta, čak i pre nego što smo otvorili razgovor. Je reste disposé à répondre à toutes les interrogations des étudiants. I spreman sam da odgovorim na sva moguća pitanja studenta. Merci pour votre patience. Hvala vam na strpljenju. Je suis désolé si j'ai été lent. Izvinjavam se ukoliko je bilo predugačko. Mais la Serbie et l'Algérie méritent beaucoup plus de temps. Ali Alžir i Srbija zaslužuju mnogo više vremena. Merci de votre patience. Mislim da možemo zajednički konstatujemo da zahvaljujem njegovoj ekscelenciji na veoma iskrenom, emotivnom, inspirativnom i interesantnom predavanju. Predavanje nas je posjetilo na lepe godine koje smo zajedno kao prijatelji sprovodili i nadam se da simbolički ovi prvi dani proljeća predstavljaju jednu novu fazu razvoja između Srbije i Alžira. Nadamo se da i mi i prijateljski Alžir ima dobru perspektivu u narednim godinama. Ja želim da se zahvalim gospodinu Stevanu Labudoviću i gospodinu Miloju Popoviću i drugima koji su doprinijeli da naša saradnja prethodnih decenija i ovih godina bude na ovom nivou i da narednih godina unapredimo još više. Vidim ste puno mogućnosti za saradnju i prirode i drugih segmenata. Ja bih da ceneći vaše vreme dao vam priliku da postavite pitanje njegovoj ekscelenciji. Je li imate pitanja? Sada li to znači da nisam bio dovoljno ubedljiv? Alors allez-y, il faut qu'il y ait une première résistante. Oui, un premier résistant, bien sûr. Ajte, izvolite, mora da bude neko ko prvi pruža otpor. Ja sam Federer Radović, student postdiplomskih studija na Univerzitetu u Brunu. Evo, zaista se zahvaljujem izuzetnom predavanju i prilici da upoznam Alžir. I ovo što nema pitanja, mislim da je znak zaista da je bilo sve jasno. Ja mogu samo kažem, pošto se bavim turizmom, da smo dobili želju i da možda već na leto dođemo da obiđemo Alžir posle ovakvog predavanja. Tako da bi vrlo rado došli i zanima me to ta konkretnija saradnja na polju turizma i povezivanja naše vezanje kada je turizam u pitanju. Šta se konkretno ovo želje? Thank you.
demain, domaine du tourisme, je crois que s'il y a bien un domaine qui pourrait également constituer un wagon pour consolider la coopération entre les deux pays, c'est peut-être le domaine du tourisme. Kada je reč o turizmu, svakako ja lično smatram da bi turizam mogao upravo da bude ta jedna od lokomotiva ponovne saradnje između dve zemlje. Je vous mentirais si je vous disais qu'il y a des actions concrètes qui ont été établies entre les deux pays. Kad bi vam rekao da postoje već neke konkretne mere i reakcije koje su uspostavljene u okviru takve saradnje. Mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'Algérie n'accordait pas une très grande importance au tourisme au départ. Ali kao što sam vam rekao malo pre tokom predavanja, Alžir zapravo nije pridavao turizmu neku veliku pažnju. Et je n'ai pas voulu un petit peu disserter trop longtemps sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de politique touristique. I nisam teo da mnogo vam vremena odvlačim i da se zadržavam dugo na razlozima zbog kojih ne postoji politike u oblasti turizma. Il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui un pays pétrolier qui est touristique. Jer do dana danas skoro da ne postoji ni jedna zemlja koja je proizvođač izvoznik nafte, a da je u isto vreme i turistička. Le seul pays qui reçoit énormément de visiteurs étrangers est l'Arabie Saoudite. Jedina zemlja koja ima veliki priliv stranaca i gostiju je Saudijska Arabija. Ce n'est pas parce que c'est un pays touristique. Ali ne zato što je turistička zemlja. Parce que c'est un, disons, un truc religieux, donc une visite religieuse. Već zimno hodočešća, redovno hodočešća u okviru jednog turizma religiozno. Vous avez de l'argent. Pourquoi chercher une autre source de financement? Dakle, kao što sam malo pre rekao. Ce n'est que maintenant que nous avons pris conscience de l'importance du tourisme. Imate novac, zašto tražiti neki drugi izvor i novi izvor prihoda i tek smo u stvari nedavno postavili svesni i važnosti turizma. Il y a maintenant des contacts qui ont été pris avec des agences et à l'initiative de nos amis serbes. Sada su stvoreni neki kontakti sa određenim agencijama i to na inicijativu naših srpskih prijatelja. Je sais qu'il y a actuellement beaucoup de Serbes qui partaient vers des pays qui sont touchés par le printemps arabe maintenant sont en train de voir d'autres possibilités. Znam da su mnogi Srbi često odlazili na putovanja u one zemlje koje su sada malo pogođene arapskim prolećem, pa sada traže alternative. Mais je crois que l'avenir est prometteur, on peut envisager des échanges au niveau des agences. Ali mislim da budućnost obećava i da možemo da razmišljamo o mogućnoj razmeni agencija. Les Algériens également voyagent énormément. Jer treba reći da i Alžirci jako puno putuju. Il est temps également que les Algériens viennent ici. A vreme je takođe da Alžirci dođu ovde. Pour avoir parcouru la Serbie un petit peu assez longuement. I da se zadrže i obiđu Srbiju. Vos potentialités sont énormes également. Čili su potencijali takođe ogromni. J'étais à Sjenica la semaine dernière. C'est magnifique d'avoir 14 degrés et de la neige 1 mètre. Zlatar peut constituer également un atout touristique magnifique. Et je crois que les Algériens, s'ils vont découvrir cette partie de l'Europe, ils viendront énormément. A kako ono trenutka kada Alžirci otkriju ovaj deo sveta, bit će navala. Voilà, je pense avoir répondu à votre interrogation, mais quand même je voudrais également remercier M. Nidic d'être venu ici aujourd'hui. Nadam se da sam odgovorio bare malo na vaše pitanje. Htio bih također da pozdravim gospodina Nedića koji je danas među nama. M. Nidic était ancien ambassadeur de Serbie en Algérie. Gospodin Nedić je bivši ambasador Srbije u Alžiru. Il est actuellement président de l'association d'amitié entre l'Algérie et la Serbie. A trenutno je predsjednik društva prijatelja Alžire i Srbije. Nous avons également un autre ami, pas uniquement de l'Algérie, mais de beaucoup de pays. Također je među nama i neko ko nije samo naš prijatelj, nego je prijatelj mnogih zemalja. Kolko Dolović, que je voudrais saluer également pour sa présence continue, son soutien à toutes les bonnes causes. Gospodin Kolko Dolović, koga sam također poželao da pozdravim za njegov... Je crois que c'est un bon élément également qui pourra faire découvrir votre université ailleurs. Et je pense que c'est un bon élément qui pourra vous aider à ce que votre université soit plus loin. Merci.
Merci d'être venu. Hvala puno, gospodin Njegić će da preda knjigu njegovoj ekscelenciji. Izvinjavam se, pogrešio sam. Srbije i Crne Gore, SRJ, pa onda Srbije i Crne Gore u Alžiru. I pošto se bavim književnošću, napisao sam jednu knjigu koja je nastala na temu Alžira. Nosi naslov Transsaharska železnica. To je železnica koja još uvijek ne postoji, ali u ovom ogromnom programu koji alžirska vlada i alžirska država čini, mislim da će ona jednog dana zaživjeti. Želeo sam u znak sećanja na ovaj današnji lepi dan da pozdravim, da poklonim ovu knjigu Univerzitetu Singidunum sa velikim zadovoljstvom. Zahvaljujem se njegovoj ekscelenciji gospodinu Radoslavu Nediću na poklonu našoj biblioteci. Ima li još pitanja? Ako nema, imam jedno prijatno iznenađenje, njegova ekscelencija želi da vas počasti tradicionalnom poslasticom urnama. Izvolite, prijatno. Želi da se zahvali njegove ekscelenciji i vama i drugim prisutnim gostima na veoma uspješnom predavanju. Nadamo se da ćemo narednih godina imati više prilika za ovakve susrete.